Hey les bambings, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2024, les demi-finales. Les deux dernières oppositions sont la France contre l'Espagne, le match qui nous intéresse le plus, et les Pays-Bas qui affrontent l'Angleterre. Tout se déroulera le 9 et le 10 juillet. Et n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Le petit pronostic qui va bien, la petite critique positive ou négative, le petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes et valider mon travail. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté, on a dépassé les 17 500 et est en train de tutoyer les 17 800. Merci encore. Mais avant d'attaquer l'analyse, je voudrais vous rappeler que lors des quarts de finale, j'ai été quasiment parfait, 3 scores exacts sur 4 résultats. Et encore, l'Espagne contre l'Allemagne, cela s'est joué à 6 minutes de faire un 4 scores exacts sur 4 pronos, assez monumental. Je vais essayer de frôler la perfection une fois de plus lors de ces demi-finales. Et on attaque avec France contre Espagne. Les Français viennent de sortir le Portugal, un peu à la surprise générale, car beaucoup voyaient le Portugal passer. Mais la France, malgré un niveau de jeu plutôt compliqué avec ses deux stars Griezmann et Mbappé, très en dessous de leur performance habituelle. Mais heureusement, une défense sans faille qui a vraiment trouvé la bonne solution depuis le début de cet Euro, avec un milieu de terrain également assez exceptionnel. Heureusement, car Rabiot était manquant et Camavinga a réussi à très bien le remplacer. Il va falloir se réveiller face aux Espagnols qui, de leur côté, sont sur une victoire contre l'Allemagne en prolongation de buts à 1. Ils ont fait un début parfait avec les 4 victoires dans les 90 minutes contre la Croatie, contre l'Italie, contre l'Albanie et contre la Géorgie, même s'ils ont eu quelques difficultés au démarrage contre les Géorgiens. Mais contre l'Allemagne, ils ont eu la blessure de Pedri. Et il y aura également la suspension de 2 éléments, Carvajal et le Normand. Mais les Espagnols sont vraiment le favori de cet Euro, car les Français n'ont pas montré grand-chose, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Faisant 2 matchs nuls contre la Hollande et contre la Pologne en phase de groupe, ils n'ont battu que l'Australie à l'arrache. Et encore, ça a été un but contre son camp d'un défenseur. Ils n'ont pas encore marqué une seule réalisation dans le jeu, ne marquant que sur 2 buts contre leur camp de 2 défenseurs et également sur pénalty par Mbappé. Donc c'est vraiment très très poussif, mais comme je vous l'ai dit, les deux défenses vont sans doute prendre le pas sur les attaques et je verrai un 0 à 0 avec le home no bet et le match nul remporté 6 victoires de l'Espagne qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 1,78. Et on enchaîne avec la deuxième rencontre qui se déroulera le 10 juillet avec l'Angleterre contre les Pays-Bas. Les deux formations sont passées par des états d'esprit totalement différents. Les Pays-Bas ont certes été bousculés par les Turcs, mais ils se sont imposés dans le temps réglementaire 2 buts à 1. Ils avaient battu la Roumanie 3-0 lors d'un 8e de finale plutôt maîtrisé. On n'oubliera pas que lors de la phase de groupe où il y avait la France, ils ont fait une victoire à nul et une défaite, ne perdant que contre l'Autriche qui a finalement fini premier du groupe, mais qui a été sorti en 8e de finale. Du côté de l'Angleterre, ça a été assez poussif également. Lors de la phase de groupe, une seule victoire contre la Serbie, 2 matchs nuls contre le Danemark et contre la Slovénie. Et ils ont été obligés de passer à chaque fois par les prolongations contre la Slovaquie et contre la Suisse, gagnant par contre en prolongation contre les Slovaques et gagnant au pénalty contre les Helvètes. Donc cela risque d'être un match très compliqué, il va y avoir les équipes types. Espérons que Jude Bellingham, voire Harry Kane, soient à leur vrai niveau. Et du côté des Pays-Bas, Memphis Depay sont un petit peu plus pesant sur la défense. Un Van Dijk peut-être un peu plus solide défensivement. Et un Gakpo, voire un Weghorst revigoré après son entrée en jeu plutôt intéressante. Mon pronostic sera un match nul, un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 2,10. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambings!